Après 3 mois de vinification, les vins sont stabilisés, ils se posent. Puis ils sont filtrés. C'est la fin d'un cycle, la mise en bouteille. Il ne reste plus qu'à attendre et laisser vieillir le vin en bouteille ou en barrique. 2021 est le 43e millésime d'Henri Valoton. Bonsoir. Le vigneron caveur a tissé un réseau de restaurateurs à travers l'espace Mont-Blanc. Il s'est aussi implanté à Gstaad, Verbier, dans les grands restaurants, chez des amis dans les stations. Olive, griotte. Ses vins s'exportent. Au Benelux, en Angleterre, en France. Bonjour. Henri Valoton entretient son réseau depuis des années. Les clients, sommeliers et touristes affectionnent les produits locaux, les circuits courts, les vins valaisans de terroir. Alors, on plante la journée. On va aller sur Grenoble. Grenoble, on revient sur Annecy, on va à Manigot. Manigot, on va repartir sur Megève, Chamonix. Petite journée de livraison et de visite aux clients. Voici l'histoire d'Henri Valoton, de la cave du même nom. Boire un café. Un pour toi, puis un pour Pierre. Ah oh, bah c'est gentil. Merci. T'as mis un petit mot avec et tout? Oui, il y a tout. Ah, bien, hein? Histoire un peu spéciale, un peu rocambolesque. J'aime bien le ski et puis on a été voir une Coupe du Monde de descente à Chamonix, au Camp d'Art. Et puis là, ben, je suis tombé avec l'ancien président du club des sports. C'était un copain, puis je l'ai taquiné. Je lui ai dit, écoute, on en a marre de boire tes cubis, là. La prochaine fois qu'il y a une Coupe du Monde, ça sera du valaisan. Bon, bah, merci mille fois encore. Et on s'est mis d'accord, on a sponsorisé le Camp d'Art pendant 3 ans. C'est ça, hein. On ne savait pas trop où on allait, lui non plus. Puis on a eu un gros succès. On avait invité tous les restaurateurs à venir ici en Valais, chez moi à la cave, pour déguster nos vins et puis faire une raclette, puis se présenter, parce qu'eux ne nous connaissaient pas. Là 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 là. Il faut compter 20 minutes pour faire les papiers de douane ici. Alors après, je repars, tranquille. Maintenant, je vais me mettre au chaud dans la camionnette. Je vais faire un peu de bureau. Ça a bien passé. On a fait un super candard la première année. On a vendu beaucoup de bouteilles. Courtebaille a publié. La deuxième année, on a encore fait plus fort parce qu'il y avait la candidature d'Annecy pour les Jeux Olympiques. Et tout le gratin du sport français était là aux ouches. Et les vins qui étaient servis pour le Premier ministre et tout ça, c'était Syrah et Païen du Valais. Du Henri Valoton. Que du Henri Valoton, partout. Pas oublier les agents, hein. L'important. C'est comme ça que vous avez fait la plupart des contacts, Megève, Chamonix. Ouais, quasiment. J'ai fait le 80% des contacts que j'ai, ça comme ça. Après, des fois, tu t'arrêtes dans un resto, et puis tu fais connaissance. Comme quand je vais à Tonon, je m'arrête avant la douane, on a un petit bistrot, ça s'appelle le Zigzag Café. Je bois mon café là, avant que l'agent de douane soit ouvert, et puis il y a une bonne ambiance, parce que c'est vraiment tous des gars du coin qui se connaissent. Il y a un passionné de montagne, il y a tout, puis on refait le monde un petit peu le matin. Puis eux viennent clients, maintenant ils me prennent des bouteilles, et puis c'est comme ça, c'est toujours comme ça, il faut avancer. Merci, au revoir. Hein. Là-dedans, il y a Humagne Rouge, H d'Hermitage, Sidurise, et puis je vais vous chercher 12 de Fendant. Ici, on est à Grenoble, à côté de la place de Metz. Ça s'appelle le Vin des Alpes, un caviste qui est super, qui fait des beaux produits que sur des vins des Alpes. Merci beaucoup et je suis désolé, vous le saluerez bien. On est tous à la bourre. Oui, c'est les fêtes, le problème, et on a tellement de choses à gérer. Heureusement qu'il y a des apprentis. Et bonne, hein. Et puis bonne fête, profitez bien. J'ai beaucoup d'amis qui sont vignerons récoltants, qui sont français, sur la région de Tel Hermitage ou en Bourgogne.
et puis en Alsace. Donc j'aime bien communiquer et puis on se voit assez souvent. On a réussi à lier des contacts et puis après, moi j'avais l'envie de faire de l'export parce que je trouve que si on veut avoir de la notoriété dans notre, pour nos vins, il faut que nos vins s'exportent. Même quand on en a peu, il faut les exporter aussi. Oui, mais je dois aller parce que j'ai du vin. Alors, je ne sais pas s'il vient avec la luge derrière. Ce qui est vendu à l'export, ça nous donne une image des vins suisses qui est différente. C'est vraiment la porte à côté et puis il faut exploiter. Puis ces gens sont tout contents. Hein. Ils adorent le fendant, ils aiment la dôle, ils aiment des vins qu'on oublie un peu chez nous. Vous êtes monté comme on parle à Cabine. Oui. Ouais. Après Grenoble, direction La Clusaz, chez un restaurateur et vigneron, devenu au fil du temps un ami d'Henri. Un endroit où j'avais pas le droit de mettre. C'est pas grave. Allez, installez-vous. Du rouge, du blanc. Ça fait Maria. Ici, on est sur les pistes à La Clusaz. Donc, livraison à domicile. On va manger un petit truc. Et puis on va partir tranquillement, après continuer notre périple sur les routes savoyardes. Tiens, tu vas me goûter ça, c'est le loubet blanc. C'est intéressant d'avoir des restaurateurs comme ça qu'on trouve sur la Savoie. C'est des gens qui ont une valeur du produit du terroir qui est la même que chez nous. Ils veulent revivre avec les produits du terroir et puis les circuits courts. Être plus proche et ça nous avantage un peu. Des fois, on parle toujours Bordeaux et là, on arrive à mettre des vins suisses, des vins valaisans sur des cartes en Savoie puis en Haute-Savoie. Le vin, c'est la vie. Il n'y a pas de cuisine sans pain, il n'y a pas de pain sans fromage et il n'y a pas de fromage sans vin. Donc, dans tous les cas, c'est le cercle. Faut faire avec. Je vais te faire goûter le pinot. J'ai 3 hectares de pinot à 600 mètres d'altitude en Haute-Beaunieu. On fait un truc de dingue. On a tous la même passion. Ah ouais. Faire plaisir aux gens et se faire plaisir. La nuit tombe gentiment et le travail de livraison est à peine commencé. Henri livre dans un hôtel 5 étoiles de Megève. Vous m'ouvrez la porte en bas dessous ? Ouais, je vais descendre en marche arrière parce que c'est le bordel pour tourner en bas. Alors là, on est au flocon de sel, la Megève. Je vais livrer pour moi, pour Marie-Thérèse et puis Mathilde Roux en même temps. Les vins se retrouvent sur une des plus belles tables de France. Ils accompagnent la cuisine du chef Emmanuel Renaud. Je laisse devant à la réception ce que j'ai pour le chef et puis madame. 3 étoiles au guide Michelin. Donc ici, ben, cuisine et chef avec sa petite veste. Ma facture qui est là. Ça, c'est les documents de transit qu'il faut qu'il garde pour ne pas être embêté. Oui. S'il y a un contrôle de douane, n'importe, il est en ordre. Merci, Parimon. On a fait Grenoble, Megève, Cham. Bonsoir. Ça fait plaisir. C'est la reconnaissance du travail accompli. Les gens sont surpris de nous voir sur des tables comme ça. Et moi, j'aime bien cette approche quand les sommeliers, ils viennent, ils dégustent nos vins, ils vont sélectionner ce qui leur plaît le plus. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça nous remet en question aussi sur les autres vins, puis essayer d'améliorer pour arriver à la hauteur de leurs espérances. Premier millésime, ouais, 17 ans. C'était dans une cave un peu plus grande. Notre famille avait une cave assez importante sur Fuy. En même temps, je filtre du blanc. Je fais un peu de travail de cave. Après la vente, la cave. Mon père était assez téméraire. Il aimait bien envoyer les jeunes, on dira pas au casse-pipe, mais aimait bien envoyer les jeunes faire leurs expériences. Et puis il osait déléguer, puis il laissait aller. Mais il était toujours derrière, mais tout en douceur. Très agréable, parce que tu apprends vite. Et puis tu apprends de tes erreurs. Vendange, mise en bouteille, vinification et tout, on dégustait, il avait vraiment ce plaisir à nous faire goûter des vins. C'était un épicurien et puis il adorait la Bourgogne. On a beaucoup bourlingué, et puis chaque fois qu'on partait en vacances, ben, c'est clair que s'il y avait des vignes, on allait faire une petite visite de cave, ça c'était classique. Oh putain, ça change. Hein. Le nez, ça change énormément. C'est les testeuses.
Ça sent la, les levures, hein. Ouais, moi, ça me dérange. Ben, tu verras après filtration. Tu sens que ça a nettoyé. Magnifique. Mais il a une odeur... Biscuit toasté. Voilà, biscuit toasté. T'as ce côté un peu grossier qui part, ça affine le vin, quoi. Ça lui enlève tous ces petits trucs qui sont un peu gênants, des fois, dans le vin. Et là, c'est vraiment... là, ça vraiment, vraiment bien. Marche bien, je suis content. Après, vous avez fait Changin? Oui, moi, j'ai fait Changin. En même temps que Gilbert Veil, Marie-Thérèse Chapin. Et puis ça, c'est... Fondant. Six fois. C'était des volets où on était très technique. On avait de la vinification, on était très épuré. En Suisse, on faisait des vins très droits, presque un peu trop polis. Tout le monde a refait un peu marche arrière. On voulait pas de défaut, rien. Et puis on s'est rendu compte qu'on oubliait un peu les terroirs. Le 80% du vin se fait à la vigne. Si on rentre une vendange saine, si on a le goût qu'on veut dans le raisin, on sait qu'on va sur un beau millésime et qu'on va sur un beau vin. Il y a Petit Arvine, ouais. Payen, Hermitage, et puis après on a Duriz et Pinot Noir Vieille Vigne. Mais... c'est quoi, c'est Syrah? Non. Duriz, c'est un vieux cépage, un vieux cépage autochtone. Bon, rouge. Ça, c'est Petit Arvine. Puis ça, c'est Pinot. Ça, ça part dans un autre monde. Hein. Là, on est sur la truffe blanche. T'as un aromatique énorme dans l'Hermitage. Hein. Si t'as pas un sommelier qui sait, qui connaît le produit, tu n'arrives pas à le vendre. Parce que ça, c'est pas un vin que tu vas donner à l'apéro. Non. C'est déjà une erreur. On cherche à mettre en avant les produits typiques de notre région. Petit Arvine, on part sur le Payen, en Malfendant. On ne va pas travailler avec des Sauvignons blancs qui nous intéressent moins. La Duriz, c'est un vieux cépage autochtone. Voilà. La Duriz, c'est un vieux cépage que mon père avait remis en avant. On a changé la méthode culturelle et on a su apprivoiser la Duriz. C'est des vins alpins comme le Cormalin. On a vraiment ses origines alpines qui ont les mêmes notes que le Maillolais, le Fumain ou des vins du Val d'Oste. Là, on est vraiment sur la cerise noire avec une petite note d'amande amère. Il a un côté fumé, ouais. C'est un vin qui est très jovial. Jovial, vif, ouais. Vibrant. Ça, ça nous fait chaud au cœur de remettre en avant des vins comme ça. Also very important for you to know we produce more red than white. Ce soir, Henri va présenter ses vins à un groupe touristique dans un hôtel de renom, Hagstad. We produce in white a lot of Chasselas and also a little bit the second grape I think is Petit Arvine that you're tasting today. Petit Arvine is c'est un vieux cépage autochtone et là vous avez eu au nez cette très fleur blanche avec des notes de glycine et de sel. Any particular questions that you have come to us and we will help you if you need so. All right? Enjoy. Thank you so much. Merci Henri. T'es bien là? Ah, hein, ça te fait plaisir. Ça fait plaisir. Ici, il y a quelques bouteilles qui sont sous la carte de vin. Uh-huh. Après, j'ai encore deux caves derrière. Ouais. Bourgogne rouge, France Sud, Bordeaux rouge. Tu vois, c'est tout bien noté hein, dans une cave. On se connaît bien, ouais. Parfois, on travaille un peu plus, enfin un peu moins. Ça dépend des visites qu'il me fait. Il a dit, passe un peu plus souvent, et puis ouais, on prend beaucoup plus. Voilà. J'ai des vieux souvenirs qui jaillissent, parce que quand on était gamin, on allait là-haut, puis c'était tout un poème quand on allait. C'est en 1956 que l'oncle d'Henri a planté ses vignes de pinot noir. Elles ont grandi avec lui. On a gardé à peu près 6000 mètres de vieilles vignes qui ont été plantées à l'époque. C'est un vin que je trouve magique. Des beaux pinots qui ont beaucoup de fruits, qui ont encore de la tension. Ces vieilles vignes, elles n'ont pas du tout le même goût que les vignes plus jeunes qui ont déjà 30 ans. C'est M. Jaillet, Henri, qui disait qu'on commençait à faire des pinots noirs avec des vignes de 50 ans. Et depuis 2019, les vieilles vignes d'Henri, comme tous les autres cépages, sont passées en reconversion biologique. Ici, l'avantage, c'est qu'on est au calme, il n'y a pas de voiture, on fait ce qu'on a envie, et puis on a une super vue.
un aspect qui plaît au sommelier avec qui il travaille. Les livraisons continuent. L'export représente 20% des ventes de la cave. Le reste, c'est à la porte d'à côté qu'Henri va livrer, comme ici à Verbier, où il s'est naturellement implanté. Sélectionner des endroits où on veut être. Que ce soit même au restaurant du village, s'ils ont l'envie de travailler avec nous, il ne faut pas négliger non plus la région. On a des belles tables, on a des beaux restos en plaine, en montagne. Bonsoir. On travaille aussi sur Montana, sur Zermatt. C'est vrai que le restaurant, c'est l'endroit où on communique le plus avec nos vins. Parce que les gens viennent, c'est convivial, ils mangent, ils apprécient le vin. Bon, qu'est-ce que tu veux me faire voir alors? Les vins blancs, ah, ouais. Magnifique. Ah, on a beaucoup de Scandinaves, les Danois, les Suédois. Ils sont curieux, ils sont très curieux. Ils cherchent vraiment ça, à découvrir des choses qu'ils ont pas, qu'on peut découvrir qu'ici, quoi, en fait. Blarvin, c'est unique au monde, enfin, au monde, oui, on peut dire. Voilà. Que en Valais, quoi. Je pense que c'est un aboutissement, c'est pas une fierté. Si une grande table essaye de le mettre en avant, ça veut dire qu'ils ont déjà confiance à ce qu'on fait, et puis ils veulent donner de la valeur à nos vins. Et ça, c'est important. C'est vraiment les derniers 2020 qu'on met en bouteille, donc ça fait drôle, on passe à un autre millésime. Ce chapitre des histoires d'Arvin se termine avec la mise en bouteille, le seul travail à la chaîne des artisans du vin. Les machines appuient les petites mains et finissent le travail de la saison 2021. 2022 s'ouvre sur un nouveau millésime que tous espèrent plus généreux. Alors, ça fait 3 ans qu'on a refait le bout, là. S'il était tout tombé. Vincent, plus Marcel, le M, mon grand-père, Caron, 76. L'année de construction du mur.